Est-ce que Messi doit quitter le PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Léo Messi. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici non, on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fort de partie. Alors, Léo Messi, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ne parle de lui. Vous savez que il a enfin un contrat en juin. Du coup, donc, beaucoup de clubs se positionnent sur lui. Va-t-il prolonger au PSG? Va-t-il rester? Va-t-il rentrer à Barcelone? Va-t-il aller en MLS? Etc. Il y a trop de choses autour de Léo Messi. Pour le coup, ici, on va rebondir sur les propos de Daniel Riolo. Daniel Riolo, dont selon lui, Messi devait dégager du PSG. Messi doit quitter le PSG. Moi, si moi j'étais Messi, moi je devais partir parce que les supporters ne t'aiment pas. On a sifflé Messi. Hein. Donc ça prouve qu'on ne l'aime pas. Les supporters ne l'aiment pas. Le club tarde à le prolonger. Le club ne fait pas de lui la priorité. La priorité, c'est Kylian Mbappé. Du coup, donc, c'est un joueur qui ne se sent pas aimé comme en Argentine. En Argentine, c'est un dieu, entre guillemets. En Argentine, les gars, c'est un dieu. Donc, le gars ne se sent pas aimé au PSG. Du coup, donc, on sait que le footballeur fonctionne avec la confiance. Lorsque tu n'es pas aimé, c'est difficile de donner le mieux de toi. Quand tu n'es pas aimé, c'est très difficile. C'est très difficile, donc. Si j'étais Messi, j'allais peut-être au Barça parce que le Barça, les portes lui sont ouvertes. J'avais l'attente là-bas avec impatience. Donc, si c'est moi lui, je rentre au Barça, les gars. Là où on va m'aimer, là où je serai adoré. Parce que visiblement au PSG, ça ne passe plus bien. Les supporters ne l'aiment plus. Les dirigeants doutent de lui. Le projet n'est pas centré sur lui. Pourquoi rester au PSG? Est-ce que tu penses que Messi devrait rester au PSG? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.